C'est reparti pour une nouvelle partie. Non, pour la suite. Pour la suite, je reprends là où on était la dernière fois. Et j'espère que les réglages vidéo seront meilleurs. Que la qualité en couleur, enfin la couleur qui ressortira sera mieux. On verra ça. Et là, on verra ça une fois que la production sera lancée. Voilà, alors, on s'était arrêté avec la construction. La construction du portail et une vague de chaleur qui arrive. Alors, on va pouvoir partir explorer. Pas du tout, ça c'est autre chose. Ah, c'est ça l'histoire des tours de reconnaissance qui permettent d'enlever le brouillard et d'y aller surtout. Ok, donc là en fait je peux toujours pas y aller. Tant que j'ai pas fait ces tours. Ok, ah ouais non mais c'est pas cool ça en fait comme système. Par contre je peux l'envoyer vers l'extérieur et elle aussi. Et ben, c'est ce qu'on va faire, on va les envoyer toutes les deux dehors. Parce que les autres ils ont besoin de faire quoi? Rien. Il y a une vague de chaleur qui arrive et puis c'est tout. Donc par contre il va falloir faire une tour de reconnaissance. D'accord, ok. Et c'est ça qui ouvre le truc. Quoi? Un groupe de survivants est arrivé. Eh ben, tant mieux. Et les experts sont prêts à aller vers l'extérieur. Ok, d'accord, deux trucs intéressants. Bon, bah alors là, ça commence. Sept adultes, un enfant et pas d'anciens. Bah, très bien. Allez. Donc ça veut dire 7, 8. Donc, stop. Ça veut dire construction. Tais-toi, le canard. Ouais, bah alors on va faire ça en urgence. Ah, j'ai toujours pas regardé comment on faisait pour déplacer ce truc-là. Ah, je suis quelle nouille, j'aurais dû chercher. Bon, c'est pas grave, on va se positionner comme ça. Donc là, c'est en mode urgence. Et ça va me bouffer du plastoc. Et puis par la suite. Bah, par la suite, on va voir la suite quoi. Donc. C'est très perturbant. C'est très perturbant parce que voilà, j'ai pas trop l'habitude de changer de vue comme ça. Mais là, on va pouvoir le faire ainsi. Ok. Ah oui, puis il y a lui aussi qui arrive, quoi. C'est un éclaireur, donc il peut faire beaucoup de distance. Et bah, tu vas dehors tout de suite. Donc, je me trouve avec un recycleur. Et donc, comment tu peux m'aider? Et ben, tu vas faire ce que tu sais faire. D'accord, clic droit, clic gauche. Ok, donc, et là. Non, c'est très drôle. C'est très très drôle. Il est inconnu. Oui, oui, ben, j'ai compris. La recycleuse, elle va aller là. Oh punaise, il faut vraiment avoir l'habitude. Clic droit, hop, et tu récupères tes affaires. D'accord, c'est ça. Et donc toi, il n'y a pas de danger. Et tu peux... Ok. Et après, vous faites quoi? D'accord, et on attend maintenant, quoi. Bah allez-y, vous, hein, maintenant, de toute façon, c'est parti. Oh, c'est le petit... La petite animation, ça bouge comme il faut, c'est cool. Alors, on a du monde
à travailler, donc c'est très bien. Par contre, il va falloir faire bosser les gens. Voilà. Et pourquoi j'ai 18 maintenant? C'est quoi ce délire? La fosse, on va attendre qu'il y ait quelqu'un qui soit mort quand même, c'est peut-être pas la peine de faire tourner avant. Et donc là, j'ai 18 personnes qui travaillent, enfin qui transportent. C'est lourdingue comme histoire. Cabane de pêche, toujours pas. La citerne, ça serait quand même bien. Pourquoi pas là? À côté de la réserve, là, c'était une bonne idée, non? Yes. Qu'est-ce qu'il y a? Oui, du bois, ok. Construire un entrepôt, ok. Ils ont pas de maison. Je m'en cacahuète. On est en train de faire. Voilà, si c'est bon. Là, il y a du monde qui travaille. Ouais, voilà, ils auront... Ils auront ce qu'il faut. Et mais j'ai toujours plein de plastique, c'est quoi ce délire? Pouf. Des bûcherons. Et puis là oui, des recycleurs, ça serait bien quand même de retourner d'en faire un second. Mais là il y a ce tas de pollution là qui m'inquiète un peu. Allez, on part comme ça. Ouais, parce que les tas de bois ils vont disparaître au fur et à mesure. Alors, de la fiance. Parce qu'on a trouvé OK dehors. Et donc c'est ici la science. Et ouais. J'ai 75 points, mais de toute façon j'ai pas trop le choix. Je l'ai eu ou pas ça? Faut le faire. Ouais d'accord. Et tout à l'heure je regardais, mais en fait j'ai 18 colons, mais j'ai que 7. Se promène hein, donc 7 transporteurs. Et donc là ici voilà, on n'a plus de tas actifs, donc il faut déplacer le tas de bois. Eh oh, mais c'est quoi le rapport? Là, il y a un tas de bois, mais il se met plus en... Parce que je suis encore sur le garde-manger, mais c'est quoi ce délire? Là, tas de bois, déplacer zone de travail, et voilà. Bon, on va le mettre juste là, et puis c'est pas grave. Oh, waouh. Là, il y a un tas de bois, et ben, ils vont faire ce qu'ils font. Bon, du calme. Alors, qu'est-ce qui se passe-t-il, toi, donc? Toi, t'as le droit maintenant. Ah, ben voilà. Les méchants pas beaux. Techniquement, ils ont moins de points de vie que toi. Et toi, ton taf, c'est éclaireur. T'es pas combattant. Là, on est bon. Toi. C'est toi qui es combattante. Bah oui. Mais non, tu n'abordes rien du tout, enfin, tu vas juste aller bosser un peu. Et toi, tu recycles, donc tu récupères des trucs. C'est ça, ok. Donc maintenant, on peut retourner à l'intérieur. La citerne, yes, voilà, donc on va pouvoir faire des réserves de flotte. Même si je pense qu'il... Oh punaise, on peut pas dézoomer. De trop. Même si je pense qu'au niveau de l'eau, il va falloir refaire un puits. Un puits qui rapporte
Voilà. Eh, mais maintenant, j'arrête de zoomer, dézoomer comme un grand sauvage. Donc ici, on peut y aller maintenant. Est-ce que ça fonctionne? Ne peut pas être placé sur une zone non explorée. Oh punaise. Oula, qu'est-ce que c'est que ça? Ouais. N'importe quoi ça. Quoi? Pardon. Bah oui, on va la chasser. Bah, alors là, franchement, une flèche touche la bête. Oui, bah voilà. C'était pas bien violent comme bestiole. Alors, Max, il nous dit, ouais, de toute façon, même pas meurt. C'est juste... J'ai du stockage, mais j'ai du stockage pour... Oh, si, ça va aller. Ça devrait aller. On devrait pouvoir tenir. Enfin, bon, je dis ça, on verra bien. Mais... Alors, on en est où dans les constructions? Là-bas, ça construit. Bah, bien sûr. Très bien. Eux, ils sont... Bah, ça serait bien d'être deux, en fait. Voilà. Et ils stockent juste à côté. Très bien. Ici, ils ont ça. Bon, on va attendre d'avoir un peu plus de plastique. Et on va faire des habitations. Donc là, par contre, j'ai pas capté où j'en étais. Ah oui, merde. D'accord, j'ai mis ça en deuxième. Alors que j'avais pas, peut-être pas spécialement. Ouais, quoi qu'en même temps, quand on voit le truc. La plantation, j'y suis pas encore, et donc voilà. Ok. Là, il y a toujours un médecin et il est tout seul. Ici, ils sont deux trappeurs, ça produit... plus qu'il m'en faut ou pas? Ouais, dans les légumes, ça serait vraiment temps. Le recycleur est terminé. Et donc, on a quelqu'un dessus. Et on va garder trois transporteurs. Non. Faut qu'on produise quand même, là. Et par contre, on va faire une route pour qu'ils utilisent, si possible... cette route là plutôt qu'autre chose, et donc ils évitent de passer à travers le machin. Pour éviter de passer par là, là. Alors, qu'est-ce qui se passe? Pénurie d'eau. Bah oui, mais ça on sait ça. Il 210, ouais, enfin ça, il n'y a pas pénurie mort d'homme, quoi. Pas encore. Hop. Voilà, on fait comme ça. Ici, c'est bon. Ouais, ici, ça pue quand même. C'est bon, là, il n'y a personne, mais ça donne quoi au niveau... Ah, ouais, contamination, ouais. Ça devient un peu dégueu, quoi. C'est quoi, ça? Ah, c'est toujours pareil, du plastique. Je suis con. Toujours du plastique. Plastique, plastique, plastique. Ouais, il n'y a pas de métal, hein. Alors, le bûcheron, ben, y en a un. Non, il y en a deux. Oui, mais je les ai mis tout à l'heure. Oh là là. Alors. Qui t'arrive-t-il? T'as tout recyclé. T'as trouvé du fric. Ben, c'est superbe. Toi, t'es une recycleuse. Tu vas là. Toi, t'es une combattante. Et donc, on a dit que t'allais aller par là. Oui, oui, tu peux pas. Ok, j'ai compris. Là, il y a 10... Ah ouais, tu prends des dégâts parce qu'il y a la radiation, quoi. Ok. Et je peux retourner à la colonie. Oui, mais non, mais toi, tu ne sers à rien à retourner à la colonie, donc... T'es un éclaireur, donc tu éclaires. En parlant d'éclairage, là, on est vraiment très clair.
Alors, pénurie d'eau. Oh, c'est étonnant. Que se passe-t-il donc ici? A plus de bois, dirait l'autre. A plus de bois. Et ben voilà, t'en as du bois là maintenant. Bloop, bloop, bloop. Donc va citerne, et ben elle citerne. Et le plastique, c'est cool. Ça y est, ça commence à être bien. Donc. Bon, là, il me dit de faire un entrepôt, mais. Potentiellement, est-ce que c'est vraiment super intéressant? J'en sais rien. Allez. On va bien voir. % de contamination. Ils vont tomber malades, eux. Si je déplace la zone, que je la mets que ici, ils vont arrêter de travailler là et arrêter de traverser. Bon, en même temps, c'est pollué ici, c'est pollué. Oh putain, 48%. Ah bah oui, c'est les toilettes. Les toilettes, eh ben on va en refaire parce que... Ben parce qu'on en a besoin et que effectivement les toilettes ça pollue. C'est ce qu'on avait vu. Oh non, décoration, bah non, c'est même pas la peine pour l'instant. Ne même pas y penser. Ouais, donc en fait pour l'instant je peux pas faire à manger autre chose. Ça c'était le terrain de départ, oui, ok. Donc là pour l'instant il faut que j'attende que ça évolue. Ça potentiellement c'est, faut l'avoir à l'esprit quoi, mais je vais pas l'utiliser pour l'instant. Et donc quand on aura beaucoup de bois, ce qui n'est pas le cas, on pourra construire un camp de bûcheron. Ok. Cabane de pêche, ben on verra quand on aura envoyé quelqu'un là. Ah, ça y est. Comment ça se fait? Ah non, c'est pas mieux en fait. Non, je pensais, mais... Je croyais que le fait de voir ici, ça permettait de... Ah, c'est bien pollué là. Oui, donc là, quand c'est gris, c'est qu'il n'y a personne, mais on s'en fout. Nathalie. Nathalie, t'es où? C'est toi, là? Je sais pas. Bon. Pour l'instant, tout va bien. Alors, nos experts. Qu'est-ce qu'il y a? Bah, elle continue à expertiser ce qu'elle sait faire. Premier combat? Ouais, peut-être pas. On n'aura pas le temps. Oh non, on va pouvoir s'approcher, mais... Yes? Non, tu peux pas. Équilibre des pouvoirs, équilibré. Oui, bah ça... Neg. Bah toi, tu nous as trouvé quoi? Bah, superbe. T'as pas mieux? 75. Ouais, techniquement, tu peux les tuer, quoi, mais... c'est pas ton objectif, c'est pas ton rôle, c'est pas ton... Voilà, ton taf, c'est pas ça, toi. Allez. Scrute donc. Donc là, si je retourne là, il se passe rien. Toi, tu patientes. Et toi, tu recycles. Ok, on est bien d'accord. Ici, eh ben on est à zéro. On a réussi. C'est la vague de chaleur. On a encore 78 en stockage. Et on produit autant que l'on consomme. Eh ben c'est très bien, bravo. Ici j'en sais toujours rien et qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il y en a un qui est pas content là? Ah, j'arrive pas à le chercher. Quoi? Abri improvisé. Ouais, d'accord. Ouais, bah, il va être temps de vous faire des vraies maisons. Enfin, des maisons. Le terme est encore un peu exagéré, non?
Je peux pas là. Et là par contre je peux non plus. Deux colons sont blessés. Bah allez vous soigner, moi je vous le dis. Je m'en fous un peu quoi. Alors on a dit pas à côté de... Voilà. Là on peut. Et il y a des colons qui se battent. Eh ben, qui se battent, qu'est-ce que je te dise, moi, ils sont cons à se battre. Qu'est-ce qui se passe? Ah bah ouais, non, c'est celui qui a provoqué. Ok, eh ben ma populace est pas d'accord avec ma philosophie. Enfin, il n'y a pas marqué combien étaient d'accord, combien étaient pas d'accord, mais... Eh ben je m'en fous, c'est moi le chef. Non, c'est celui qui a commencé qui... Ouais, hein, on est d'accord. Oula, il n'y a presque plus de bois. Ah ouais, donc ça dégage, ça dégomme bien les arbres, quoi, en fait. Ok. Toi, tu prends ici, d'accord. Toi, tu... Bah alors, ça, c'est bien. L'air recycleur, il prend bien son truc et il a sa route. Et là, ici, on a une belle ruine. Ouais. Donc, on pourra venir chercher ici. Et en plus, on pourra passer par là, comme ça. C'est bien, hein. Bon, en fait, il y a déjà quelque chose, je sais pas. Je sais pas du tout si ça sert à quelque chose, en fait. Les colons blessés, ils vont se soigner. De toute façon, j'ai que un pour l'instant. Ah oui, c'est un par un. Ok. L'entrepôt est terminé. Ça va me servir à quoi? D'accord. Je peux choisir de mettre telle chose ou pas. Ouais, bon, bah, de toute façon, techniquement, je m'en fous un peu pour l'instant. Bon, c'est bien de le savoir, quoi, mais... J'ai deux qui se promènent, quelqu'un qui surveille... Ah, ouais, il y a quand même quelqu'un dedans. D'accord, pourquoi pas. Allez, on accélère un petit peu, c'est le septième jour. Et ça fait déjà 20 minutes que je joue. Tiens donc, hop, on se calme, les experts... Ah ouais, bah si, il y aura quand même un objectif intéressant, ça va être... Donc t'as tout recyclé, c'est bien, et bah retourne à la colonie et ramène tout ça. Voilà. C'est fait. Oui, oui. Bah si, il y aura un truc intéressant, ça va être la baston. Oh! Allez, check, mec. Il y a des armes ici. Cela sera peut-être utile à notre ami qui maintenant va... Ouais. Et... Oh! Ah, nous aussi. J'avais pas fait gaffe, il s'appelle les rats crevés. Ouais. On fait 20 dégâts, il a 75 points de vie, ça va durer 3 tours, quoi, cette histoire. 4 même. C'est un peu long, là. Ah ouais, donc en fait, vous vous battez, et puis on attend, quoi. Ok. Eh ben... Qu'est-ce que je vous dise. Alors, si, toi. Comment tu vas bien?
T'as ramené En fait, j'ai besoin que t'ailles explorer là-bas, là. S'il te plaît. Et pendant ce temps-là, on va regarder l'entrepôt. Non. Il n'y a rien dans l'entrepôt. Ici. Je sais pas si elle a ramené quelque chose. Aucune idée. T'es où? T'es là. Allez. Fais-moi rêver. Archie, qui est content parce qu'il a été guéri. Et donc oui, c'est ça, il en était à 4, on n'en a plus que 3. Ah oh, bah oui, mais voilà, il suffit, il y en a un autre qui arrive et qui nous dit... Alors, yep. Oh putain. T'as le droit d'aller plus loin ou pas? Alright, yeah. Bon là, ça vaut pas le coup d'aller voir quoi que ce soit. Par là éventuellement. Et donc là maintenant... L'attente est terminée. Oui, bah tant mieux. Donc là, non mais quoi, sérieux là? Doit se trouver au bord de l'eau. Ah. Sérieusement. Faut absolument que je trouve le moyen de les faire tourner. Pause. Parce que là, franchement, c'est lourdingue. Comment est-ce qu'on fait maintenir image pour construction multiple R rotation? Bah oui. R comme rotation. Hein? Pourquoi? Bah non. Pourquoi se faire compliquer quand c'est pas compliqué? Alors, doit se trouver au bord de l'eau. Voilà, c'est bien ça. Quand on est à 100%, ça donne 14. Ça donne pas que 12, quoi. Et bah, ça, c'est bien. Donc, voilà. Donc, ça, c'est une chose qu'elle est bien. Et, encore une fois... Je sais pas du tout si ça sert à quelque chose. Oh, punaise. J'ai pas envie de traverser par là, en fait. En train de faire des trous dans la forêt. Bon. Parfois, j'ai cru que je n'y arriverais pas. T'es toujours là, toi ? Bon, bah... Toujours en désaccord, toujours à me casser les pieds, mais... Allez, toi, tu peux repartir. Vu que t'as fait ce qu'il fallait faire. Vous, bientôt plus d'arbres, mais ça, c'est normal. On va vous pousser par là après, quoi. Robin, on va arrêter de la suivre, parce que... Vous avez toujours à manger ici, donc c'est très bien. Je viens de le déplacer, ça ne servait à rien du tout. Vous, c'est parfait aussi. Hazel, il s'est blessé en coupant des arbres. On va pas dire que c'est un stupide idiot, mais bon, bref. Ah, ça y est, c'est fini. Ok, donc maintenant, on va produire à fond de l'eau. Alors, ben moi je propose qu'on fasse une deuxième citerne. Donc là je peux faire du rotate. Oh, c'est trop fort. Qu'est-ce qui s'est passé ici? Oui, c'est peut-être juste toi. Quoi, t'es où? Non mais reviens. De la science. Je sais que c'est pas ton taf. Ouais, puis en plus je suis encore planté de trucs. Mais... Toi t'as fini. Non, t'as pas fini. Ah ouais, t'es en train de déterrer tout le truc. Toi, tu... Pan, pan.
55, 75, 85, 100. Techniquement, on gagne. Ouais, c'est en train de basculer, quoi. Et bah, amusez-vous bien, entre parenthèses. Je trouve qu'on produit pas assez de bois, mais en même temps, j'ai pas assez de monde. Au niveau de nourriture, on est bon. Au niveau de l'eau, bah, on est très bien. On va avoir une deuxième réserve. Ouais, c'est ça. En fait, on bouffe plus de bois qu'on en produit. C'est pareil pour le plastique. Yes, ok. Bon. Moi, j'ai juste peur que là, ça devienne mortel. Et quand je dis mortel, c'est pas pour rien, parce que 76% de contamination. Ah ouais, mais même la flotte là. Mais non. Quoi? Mais qu'est-ce que c'est que cette merde? Allez vous battre avec. Ouais, si c'est bon, on arrive à se défendre. Ah ouais, donc on se fait attaquer par des bestioles, quoi. Quoi? Mais non! Eh, mais les... Oh, mais je peux pas... Je peux envoyer personne. Envoyer des spécialistes, espèce de rigolo, j'ai pas de spécialiste, moi. Eh ben oui, il va pas mourir. Voilà. Ah, t'es là, toi? Non, sérieux? Bah, va tuer les bestioles? Là? Je croyais que t'étais plus là. Oh purée, mais c'est pas vrai. Un rabousier. Ouais, en plus franchement quoi. Chier, bordel. Eh ben tu démolis. Mais non, pas le puits. Quoi? Défaite de quoi? Défaite quoi? Ah, ça m'énerve. Je me suis fait baffer par des rabousiers, c'est quoi? Marque des insectes. Ah non, mais la pitié, quoi. Bon, et ben les boules. Le puits, je sais pas lequel c'était qui a morflé, mais. Non, là il y en a déjà un, donc c'est pas lui. C'était celui qui était par là. Pour 100%. Quoi? J'ai du mal à comprendre. Ça cherche, mais je comprends pas où ça cherche en fait. Ah ouais, puis en plus ils ont changé le système par rapport à la fois. Donc, recherche active, bah vas-y, je te dis, j'ai l'impression que c'est pas moi qui choisis. C'est pas moi qui choisis les recherches, cool. Toi t'es là, toi t'es là.
toujours pas fini. Et toi? Yep. T'as toujours pas fini non plus. Ok. Et ben donc, il y avait quelqu'un qui se battait et qui n'était pas celle à laquelle je pensais. La citerne, c'est fait. On est d'accord. Donc j'ai deux citernes, donc je vais pouvoir stocker un max de flotte. C'est ça. Et comme on produit, on a un solde de 20, on va pouvoir produire comme il faut. Super. Là, c'est bon. Et là, le plastique, ça y est. Non, toujours pas. On consomme plus qu'on ne produit. Peut-être parce qu'on est encore en train de construire le recycleur. Qui attend un actif. Voilà, c'est fait. C'est bon. Même deux. Au boulot! Ici, reste encore un petit peu de bois. Là, ça, c'est bon. Vous, bah, ça y est, vous n'avez plus de bois. Ça va être par ici maintenant. Là, les trappeurs, bah, je vais pas avoir trop le choix. Je vais être obligé de les laisser ici. Et donc laisser le bois aussi, quoi. Sauf que rien du tout. Sauf que rien du tout, ouais. Voilà, le recycleur, il y en a donc qui vont aller bosser dedans. Et on va faire une nouvelle tour de reconnaissance par ici. Parce que derrière, il y a un truc qui a l'air sympa. Ouais, puis ça passe encore. Allez, et on se fait une route qui fait comme ça. Boum. On enlève ça ici, on rajoute. Oui. On n'a plus qu'une seule personne qui va faire les transports. Ce qui n'est pas du tout assez, mais il y a un spécialiste qui arrive dans une journée. On attend le prochain spécialiste et la fin du combat pour arrêter ce second épisode. Le let's play d'un noob, parce que vous l'aurez remarqué, je suis quand même pas très doué. Et ben là c'est bien. Pardon, 50 de production, voilà, un solde de 32. Et on a déjà atteint notre stockage maximum. Eh ben merde. Voilà. Ah merde. Donc là, l'eau, bah c'est très bien. On va mettre un nouvel emplacement. Alors pourquoi je change? Tout simplement pour éviter d'avoir tout au même endroit. Alors. La recherche. On a fini ça. Ce qui fait qu'on peut améliorer la cabane de chasse, quoi, c'est tout. Ok. Alors, c'est plutôt ça que je voudrais mettre dans la file d'attente. Voilà. D'accord. Et donc, j'enlève celui-là. Et donc, ma cabane de chasse, elle a une amélioration qui est... Qui est quoi? Je la comprends pas. Ah oui, si, on avait une efficacité à 89% et on passe à 100%, c'est tout. Ça change pas grand chose, quoi. Ou alors c'est parce que avant j'étais positionné à... Si, c'est ça, ouais. Non, c'est quand je déplace ma zone de travail que j'améliore l'efficacité. Eh ben, améliorons. Alors, nos experts. Toi, tu as ramené quoi? T'as ramené des fusils à pompe? Eh ben, c'est très bien. Voilà, le travail est fait. Retourne à la colonie, mec.
retourne donc. Toi, t'es en train de gagner. Tagadagada. Et donc au prochain tour, t'as gagné. Et toi, et ben toi, tu fais des recherches. Enfin non, tu récupères des points de science. Ce qui n'est pas ton métier principal, mais bon, c'est pas grave, quoi. C'est là où j'aurais dû avoir un scientifique qui m'aurait peut-être apporté un peu plus. Donc j'espère que le prochain qui va arriver sera un scientifique. Ce qui nous permettra d'être un peu plus tranquille. Alors, on refait le tour. Peut-être commencer à penser à faire des tentes supplémentaires. Parce que si j'ai du monde qui arrive, voilà, je savais, recycleur contaminé, bah oui, c'est normal. On va mettre quelques tentes ici, parce que donc il va y avoir du monde à arriver. C'est quoi ce délire? Quoi? Plus de transporteur. Quoi? Ah, c'est que dans la tour de reconnaissance, il y a quelqu'un. Si je dis pas de conneries. Eh oui. C'est un peu débile quand même. Enfin, je sais pas. C'est important d'être là-dedans ou pas? Bon, ce qui fait chier, c'est surtout ça, quoi. Gravement contaminé, bah oui. Ah si, on peut décontaminer, ok. Décontaminons. J'ai une recherche en cours pour l'agriculture, voilà, qui va me permettre, ok, de pouvoir faire des champs, et je pense que vous avez compris que j'allais mettre les champs par ici, quoi. Hein, je garde exprès. Là, je vais mettre des maisons. Enfin, des... c'est gros. C'est un sale mot, mais c'est plutôt des tentes. Et... Ah, zut. Juste espérer qu'on pouvait en mettre là. Si je rotate... Non plus. Bon, bah, hop, voilà. Avec une petite série de tentes comme ça, on sera très bien. Une petite route en terre. Hop, hop. Ouais, bah tant mieux que je puisse pas le faire, parce que ça sert à rien, c'est débile. Et là... Ah bah si, là, on peut. Ah bah là aussi. Ah bah là aussi. Quoi, vous avez dit débile? Oui, bah oui. On se demande à quoi ça sert, hein. Aucune idée. Non, je sais pas. Là, j'ai fait des tentes. Ouais, c'est débile aussi. Allez, on est bon. Ça c'est fait, donc ça on a, voilà, c'est lancé et ça c'est bon. Donc c'est à dire, ah, un marchand qui, paranoïaque à l'idée, a caché un coffre-fort derrière son coffre-fort. Eh ben, on va aller voir le magasin. Attends, je vois pas le... Franchement, je capte pas, là. Par contre, je vais remettre quelqu'un ici. Je sais pas, comme ça. C'est pas pour la peur des voleurs, hein, mais... Ils en sont où, là, nos amis? Ils sont toujours pas finis? Pan, pan, pan! Plus que 15 points de vie. Pan, 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 et toi? Oui, toi, tu dois retourner à la colonie, donc je t'ai demandé de le faire, tu vas le faire. Allez, accélérons un petit peu, sinon on va y passer la journée.
bah là on est bien, là on est bien, là on est bien. C'était quoi ça? Oui, bah non, c'était très bien. Je déplace pour pas grand chose, mais je déplace un peu. Il y a ce coin de pollution là qui est pas cool, mais c'est pas grave. Les maisons. Ah non, 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 bah non, non, vas-y, vas-y, vas-y. Ah oui, non, je croyais qu'il fallait cliquer quelque part, mais non. Ça construit, c'est très bien. Je parlais de ça tout à l'heure, enfin, où je parlais dans ma tête, en disant que là, on avait des bûcherons, et que... Hop, 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 on se calme. Alors, des assaillants, quoi. Ah bah oui, on a gagné. Wouhou! Les spécialistes dominent. Bravo! Victoire! Et ça a servi à quoi? Oui, tu retournes à la colonie, tu vas te reposer, tu fais quoi? Va choper des barres chocolatées, ça va te faire du bien, ça. T'es où, toi? Bah, je t'ai déjà dit de rentrer à la colonie. Tu retournes à la colonie. Ah, me dis pas que t'as perdu un tour à rien foutre tout à l'heure. Toi, tu continues à chercher, même si t'es pas une chercheuse. Ok. Ouais, ça craint en fait. Tu devrais plutôt aller récupérer des outils là-bas, mais ouais, c'est dangereux parce que ça. Bon, allez, on continue comme ça. J'ai un doute là en fait. Ah oui, non, c'est recruté, c'est pas qu'il allait venir. Ah merde. J'espérais voir venir quelqu'un, et en fait, non. Dommage, dommage, dommage. Bon, et ben que fait-on? Pour l'instant, on est en pause, donc on va remettre en route. Ouais, c'est un peu décevant, en fait. On regarde quand même comment c'est... Comment ça marche? Ça coûte 700. C'est un recycleur. Mon petit doigt m'a pris. Non, c'est mon petit doigt m'a parlé. Mais c'est pas grave. Hein. T'es un recycleur et tu me coûterais assez cher quand même, quoi. Pas très intéressant comme mec, hein. Va te faire attendre. Va te faire attendre parce que techniquement, tu vaux pas le coup, quoi. Oui, ben je sais. Mais quoi? Oui, non, mais je t'ai dit de faire attendre. Tu attends, c'est tout. Point barre. Moi, je vois pas l'intérêt, en fait. Alors, ah. Hippipi, par là. Ouais, là c'est pareil, ça commence à... Hein? Bloop. Très bien, très bien. Bon, bah je suis en fait très déçu par l'histoire du spécialiste. Je pensais qu'il allait arriver et qu'il allait pas me coûter d'argent et qu'il y a des nouveaux colons qui allaient arriver. Et en fait, pas du tout. Alors ici... Ah, génial! Ah ouais, bah là, c'est bien la décontamination. Quoi? Opal, t'es irradié, et ben tu prends des médocs, on a ça encore des médocs? Oh punaise. C'est quoi, c'est ça? Voilà. Pilule iodée, bah tu en prends. Oh punaise. Oui. Et bah oui. Tu peux rentrer toi maintenant là? Tu peux pas. Bon, bah, va te faire voir. Qu'est-ce que je te dis, bon. Allez, on avance plus vite. Et puis, encore un tas vidé ici. Oui. Oui, c'est pour ça que j'aimerais bien qu'on puisse rapidement être là-dedans. C'est débloqué. Mais c'est débloqué, mais... Hé hey j'y crois pas.
pause. J'ai raté ça. Bah oui, punaise. Oh, mais le gland, pardon. Quelle nouille. Donc, l'idée, c'était effectivement de faire pousser. Alors, ça coûte rien. Donc, c'est très intéressant. Ah oui, mais si, ça va me coûter des gens qui vont y travailler, je pense. Et bien sûr, je viens de faire du gros n'importe quoi. Donc je vais annuler celle-là, et puis voilà. Quoi. Ah, il faut sélectionner. Toilette contaminée, bah, ça on va faire tout de suite. Bah oui, j'en avais parlé tout à l'heure. Donc là, on peut décontaminer. Lui, il attend toujours, mais je m'en fous. Toi, il n'y a plus de baie du tout. Ou il en reste encore un tout petit peu. Donc bah, pour l'instant, tu fais ça. Et puis après, on s'en fout. La citerne, ça c'est bon. Ça c'est bon. Donc juste, ça j'ai dit que je le détruisais. Alors voilà, qu'est-ce qu'il faut faire? Oui, ben non, pour l'instant il faut que ça construise. Alors, on est bien d'accord, et celle-là. Construire une cuisine. Oui, pour construire une cuisine, encore faut-il avoir différents trucs de production. On est bien d'accord. Non, j'ai marqué annuler. J'annule pas. Allez. C'est pour ça, pour l'instant il n'y a pas de... Voilà, stop! Ah, j'ai l'impression de faire n'importe quoi là. Alors, pof, pouf, paf. Ça c'était très bien. Et ça c'est très bien. Ce qui fait que mon idée de champ, c'était de le mettre troisième champ, mais... rotation et de le mettre comme ça. Voilà. Allez au boulot. Parce qu'en fait, voilà, aucune ressource de construction, mais je pense qu'après ça va prendre du monde dessus. Donc il y aura une personne par champ qui va s'occuper du champ pour l'entretenir. Allez, on accélère. Une tente, ok. Opale, t'es guéri, bah, tant mieux. Et voilà, c'est parti. C'est là où on se met à choisir en attente d'un choix de graines. Du maïs. De la pomme de terre et du lin. Donc le lin, je pense. Et non, mais j'ai cliqué, mais. Non ! J'ai cliqué comme un con. Ah, mais arrête de cliquer comme un con ! Alors. Oh, c'est dingue ça, les pommes de terre, ça pollue à donf. Mais qu'est-ce que je fais ? Je veux juste les infos, moi. Tout pollue. Mais punaise. Arrête de cliquer. Voilà. Donc ça, tu ne manges pas, c'est ça, c'est des fibres. Ça, tu le manges. Et bah, fais de la pomme de terre. Et donc toi, voilà, c'est là où je me retrouve à zéro. En attente d'un choix de graines, et bah si, mais tu vas quand même choisir un truc. Et toi, tu vas faire du... Voilà. Et le troisième, il pourra pas bosser. Parce qu'il manquera quelqu'un. Parce que toi tu vas pouvoir t'arrêter et donc vous allez bosser, il n'y a plus de bois. Et bah oui, mais. Eh oh! Et donc, quoi encore?
Oui, mais c'est toujours le même, faut arrêter là. Donc là, j'en suis où là? Parce que là, je produis beaucoup de plastique, très peu de bois. Donc c'est plus dans le plastique qu'il va falloir enlever du monde. Ah bah non, c'est Hazel que je voulais enlever. Bon bah tant pis. En fait, on peut pas choisir. C'est le premier qui est le premier qui est le premier. Ok. Et donc on a dit, et ben donc toi tu feras du lin. Voilà. Bah lui, il s'emmerde, hein. Quelque part. Oui, bah oui, il était temps que tu rentres. Oh punaise, j'ai l'impression que. Hein, ça en fout pas une. Hein. Ça en fout pas une, monsieur le spécialiste là. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Ouais, en fait, le rabousier, c'est un insecte, quoi. C'est une grosse merde. Toi, t'es toujours en train d'attendre, bah c'est bien, t'attends. Je te dis. En fait, je m'en fous de t'attendre, tu m'intéresses pas du tout. Allez, on va explorer par ici, parce que j'ai cru voir... Enfin, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose d'intéressant derrière. Et puis... Oh, on a des bébés! Bah, bravo, Elisabeth. Si petit, mais si plein de vie. Bah, heureusement. Ce serait quand même bien dommage qu'un bébé... Il soit mort, en fait! Aïe, aïe, aïe. Alors... Ah oui, il n'y a personne dedans. Qu'est-ce que je need? Bah, je need que tu vas dedans. Et merde. Non, mais sans déconner. Pff, c'est quand même... Alors ça, par contre... Non, t'as pas le droit d'y aller plus, en fait. C'est ça le truc, je comprends pas, là. Je peux pas aller là. Alors ça, je dois avouer que ça me gave, en fait. Je trouve pas ça... Je trouve pas ça intéressant, en fait. Non, ouais. D'accord, donc là, les jalons, bah, des jalons. Tant mieux, mais bof. Non, je trouve pas ça pertinent, en fait, cette histoire-là. C'est-à-dire que si je veux... Je comprends pas. Bon, je vais aller lire un petit peu des tutoriels ou des explications à droite ou à gauche. Et puis on se retrouve très vite pour un nouvel épisode. Et lui, là, on va le laisser là. Non, mais je vais te faire attendre. Hein. J'ai pas d'intérêt, en fait, à te prendre toi, monsieur. Et puis là, le... C'est toujours pas fini. Allez! On en est à 58 minutes de vidéo. Qu'est-ce qu'il y a? Ah, crotte! Qu'est-ce qu'il y a? Qui est prêt? Oui, bah toi, t'es prêt, mais c'est normal. Allez, va donc là. Eh ben, tu vas là et tu observes. Et on se quitte là-dessus. Et on se retrouvera très rapidement pour la suite. À très bientôt.